effectivement, vous me dites, regarde sur le bord des routes, Jolotte. Eh ouais, regardez. Effectivement, on a une caisse. Par contre, ah merde, il y a un cadenas dessus. Ah, c'est con parce que celle-là, je peux pas l'ouvrir du coup. Attends, je peux pas la mettre dans le coffre comme ça? Non, ça tient pas. Putain, merde. C'est dommage, je peux pas l'ouvrir. Putain, elle est dégueulasse, la Sinkami, là. Oh, faut que je la lave. Hein. Bon, Pépé, j'ai trouvé une caisse. Mais du coup, on peut pas l'ouvrir. Elle a un cadenas. Donc, je vais essayer de faire super gaffe sur le bord des routes. Des fois, si je vois des caisses, je m'arrêterai. Putain, la dernière fois, c'était par là que j'étais tombé en rade d'essence, je m'en souviens. J'espère que ça va pas faire la même. Oh là là, oh là, gadou, attendez. Je vais essayer de nettoyer un peu le pare-brise. Voilà. Hop hop hop, on va à gauche. Oh oui, on va à gauche. On va à la gauche, regardez. Il y a une baraque là. Ah putain, c'est pas vrai ça. Ah bah oui, je suis en train de l'étaler. Il y a peut-être ben. C'est pas vrai ça, tiens. Voilà, vas-y. Impeccable. Nickel, c'est bon, ça y est. On va s'arrêter là. Je vais explorer par ici parce que ça se trouve il y a des trucs à ramasser. Bouge pas Pépé, j'arrive. Reste au sec. Merde, putain, la batterie. Les phares. Hop, je vais éteindre les phares. Voilà. J'arrive, bouge pas. Alors. Ça m'a l'air bien vide ici. Ça a l'air vachement. Ah. Une caisse. D'accord. Est-ce qu'elle a un cadenas celle-là? Vas-y, pose. Ouais, elle a un cadenas. Merde. C'est dommage. Écoutez, du coup c'est un cul-de-sac. Je pense qu'il faut qu'on reprenne là-bas. D'accord. Putain, elle est dégueulasse la bagnole. Elle est dégueulasse la bagnole. Ok. Je vais. Ouais, désolé. On va reprendre le chemin. Bon, bah du coup, vous voyez que des fois, on va pouvoir fouiller. Ouh là là! Ouh, cette fumée que j'ai fait. Vous voyez que des fois, on va pouvoir visiter des sites comme ça. Et peut-être trouver des objets de contrebande, vous voyez. Mais là, pour le coup, les caisses étaient complètement fermées. Donc, je pense que on va continuer. On va essayer de continuer par là. Je vais essayer de nettoyer un peu la bagnole. Il me dit, il me dit doucement dans le chemin, mon vieux. Il me dit, j'ai pas 20 ans, qu'il me dit, hein. Il me dit, fais attention aux dodones. Ah oui, bah désolé, Pépé, mais bon, faut ben, hein. Oh, il y a un pont là. Il y a un pont. D'accord. Je pense que du coup, il me dit, fais attention, qu'il me dit, mon vieux, quand tu roules. Je pense que du coup, on va passer par le pont. Bah, je suppose, hein. Bah dis donc, bah y en a des trucs à visiter ici là. Attendez, je vais éteindre tout ça. Il y a un pont là-bas. Il y a un truc sur les rails, j'ai l'impression. Je vais aller voir après. Là-bas il y a un chemin. Ouh, c'est quoi ça? Très bien. Une caisse. D'accord, parfait. Est-ce qu'on peut aller là? Non, on peut pas y aller. Et puis à mon avis, si j'arrive à y aller, j'arriverai jamais à en ressortir. Ça, c'est des coups à faire bugger le jeu. Aïe, la nuit arrive. Donc, celle-là, il n'y a pas l'air d'avoir de cadenas. Voilà, est-ce qu'on peut ouvrir? Voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, du café. Du café, bon bah écoutez, ça se revend, hein. Ça se revend le même prix que ça s'achète, donc 1,40. Bon bah écoutez, on va charger un peu de café dans la bagnole. Je pense qu'on le revendra à la prochaine boutique. Voilà, impeccable. Ça, tac, par contre ça m'intrigue, il y a un truc là-bas sur les rails. J'irai voir plus tard. Voilà, on va continuer notre chemin. Bon bah Pépé, j'ai trouvé du café mon vieux. Hein? C'est plutôt cool, non? Alors? Oh, putain, elle a peine à monter, mon vieux. Café pour la SNCO, Pépé? Hein? Alors? C'est pas du carte noire, mais bon. Ça fera l'affaire, hein?
Alors. Oh, merci. Bah, de rien. De rien. Oh, putain, gars. Ouf, qui me dit. Ah, bah oui. Ouais. Alors, je fais bien attention parce que je regarde. Si du coup, je vois pas des caisses sur le côté. Parce que. Oh, c'était quoi ça? D'accord. Une mare de boue. Il me dit, fais attention, mon vieux. Il me dit, il y a de la boue partout, là. Il me dit, regarde le pare-brise, là, un peu, là. Il me dit, il est dégueulasse. Il me dit, ce serait bien qu'on aille le nettoyer à la prochaine station. Effectivement, ce serait quand même sympa. Je vais. Hop. Voilà, on va mettre un petit coup de lave-glace. J'ai encore de l'essence. Ouais, ça va. Nickel. Putain, mais c'est quoi ces chemins, quoi? C'est quoi ces chemins, la con? Où est la route, s'il vous plaît? Je veux retrouver la route. Hein, la Simca 1000, mon vieux? C'est pas un 4x4, hein? Elle va pas tenir longtemps le choc. Si on y fait subir des tests comme ça, là. C'est pas la Xara, c'est Sébastien Loeb, mon vieux. Ouh, écoute, pipi, attends, bouge pas. Je veux pas bouffer toute l'essence. Je te laisse là, tranquillement. J'éteins les phares. Je vais aller voir parce que il y a un truc qui m'intrigue là-bas. Par contre, c'est dommage qu'on n'a pas une petite lampe de poche et tout. Vous voyez, ça aurait été vachement sympa, une petite lampe torche, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Il n'y a rien. Peut-être derrière. Il n'y a absolument rien du tout. Bon, bah j'ai bien fait de pas venir jusqu'ici avec la bagnole. Au moins, ça fait économiser un peu d'essence. Parce que elle pompe mine de rien la Simca 1000. Hein. Ouais, ça paraît pas comme ça, mais t'inquiète. Putain, merde, j'ai plus de repair kit. J'espère que le moteur va tenir bon. Allez, vas-y. Ça. Fais péter. Hop. Hop. Oh! Alors. Marche plus l'effort? Oh, mon vieux, c'est quoi? C'est la batterie qui commence à... Voilà, marche. Elle marche bien la batterie. Impeccable. Putain, par contre, elle galère dans les chemins. C'est un truc de fou, hein. Il me dit, regarde mon vieux. Il me dit, regarde comment qu'on est bien dans la merde dans les chemins, là. Hein? Il me dit, je pensais que ça allait être une bonne journée. Et puis, bah, du coup, il me dit, ça fait un temps de merde, mon vieux, pas possible. Bah, ouais. Ouais, je sais bien. Je vais mettre un coup de lave-glace. Hop, voilà. On y voit un peu plus clair. Ouh! On va peut-être bien s'arrêter à la station service, Pépé. Hein? On va aller voir là-bas. Ouais. Puis en même temps, je vais en profiter pour aller y vendre du café. Et puis on va aller faire le plein. Hein? Ah, bah ça fait plaisir. Une petite station service. Impeccable. Yes! Éteins-moi ça. Impeccable. Les phares, on va éteindre ça. Hop. Oh là là, comment qu'elle est dégueulasse la bagnole, mon vieux. On va nettoyer ça. Bon, bouge pas, Pépé. Je vais nettoyer la bagnole. Parce que là, honnêtement, hein, c'est vraiment dégueulasse. Hein, ça, hop. Ça. Ah, bah c'est pas vrai, mon vieux, putain. Je suis en train de... Là. Là, allez, trempe-moi ça. Hein? Ah, bah voilà, regarde donc, Pépé. Hein? Tu voyais plus grand-chose là-dedans. On va nettoyer un peu ton côté, là, parce que... C'est pas terrible, tout ça, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce gros dégueulasse, Pépé. On roule vraiment dans un tas de ferraille, mon vieux. Voilà, impeccable. Hein? Alors, elle est comme neuf. Nickel. Voilà, tiens, on va faire le plein. Hop. Attendez, avant de faire le plein. Si, déjà je vais faire le plein. Hop. Vas-y. Qu'est-ce qu'elle pompe, mon vieux, la bagnole, hein? Oh la vache. Regardez ça, elle est en train de fermer la grille là-bas, hein. Alors. Allez, ça c'est bon. J'espère qu'elle a des repair kits. Et c'est... Oui, bonsoir, Kemdi. Comment allez-vous, Kemdi? Ça va, tranquillement.
Par contre, oh, c'est quoi ça? Des médicaments. D'accord, des médicaments. Ça, je sais toujours pas c'est quoi. Ça, c'est quoi? Bah, ça, c'est les knackis, ça. J'avais acheté à Pépé la dernière fois. C'est quoi ça? Ça, c'est du café. Ça, c'est les clopes. Putain, il y a même pas un repair kit, quoi. Oh, le délire! Bon, bah, écoutez, je vais y vendre du café. Je vais y vendre le café, mais là, je suis déçu, franchement. Pas un repair kit. Je suis relativement déçu. Guten Morgen, Candy. Tiens, hop. Voilà, bouge pas, j'en ai d'autres. Je crois que c'est les derniers paquets. Ouais, c'est les derniers paquets, c'est bon. Impeccable. Hop, voilà. Maintenant, elle me doit de l'argent, là, je pense. Ouais, parce qu'en fait, c'était déduit sur mon essence que je lui devais, du coup. Pépé, passe-moi l'oseille, là. Ah, bah, c'est pas vrai, ça. Allez, fais pas ta pince. Passe-moi les sous. On va aller voir ça. Allez. Allô, Kemdi. Tiens. Bon, ben voilà. Impeccable. Je sais pas si on a gagné un truc. Elle m'a rouvert. C'est impeccable. Oh putain, le moteur, il est bientôt mort, quoi. Ça aussi, c'est bientôt mort. Là-bas, c'est bon. Je vais remettre de la flotte. Je vais remplir. Allez, vas-y. Hop, on remplit. C'est bon. Impeccable. Putain, et moi, je fais comment s'il n'y a pas de repair kit, là? S'il n'y a pas de repair kit, je suis dans la mouise. Je suis complètement dans la mouise, là. Bon, bah, écoute, on va y aller, tranquillement, en espérant bah, qu'on tombe pas en panne, hein. Parce que là, ça va être chaud, 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 voyez-vous. Allez, donc, du coup, nous, on s'en va vers la gauche, après. Bah, c'est peut-être pour ça qu'elle avance pas, la Cinca 1000. C'est que le moteur, il est à moitié en train de fumer. Voilà, nous, donc, du coup, on continue notre route par ici. Je vais voir si je trouve pas... des caisses aussi sur le côté. Mais c'est bien beau de trouver les caisses et de les revendre. Mais si ils ont pas grand chose d'intéressant à vendre. Voyez ce que je veux dire, quoi. Ça sert pas à grand chose dans le fond. Oh putain, mon vieux. Oh, je suis à fond. Et je suis à 120 dans les chemins là. Je suis à 120 dans les chemins. On va allumer les phares. Vas-y, fais péter. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plus de batterie ou quoi? Ah si, c'est bon. Wouh. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Putain, j'ai sauvé la Cinca 1000 de justesse. Faut que j'arrête de faire le fou comme ça. Oh, je crois qu'on arrive en ville. Oh, yes. Déjà, on retrouve la route. Un rond-point. Attendez, bougez pas. Voilà, j'ai remis un peu de flotte dans les essuie-glaces. Ça, c'est cool. Ok. Cool, il me dit, on est arrivé. Il me dit, bah, c'est bien cool qu'il me dit. Et il est surtout en train de me dire qu'il faudrait qu'on trouve un garage pour réparer la bagnole. Ouais. Ça, ce serait vraiment primordial. Donc je pense... Oh putain, je roule à gauche, moi. Normal. D'accord, il y a une nouvelle frontière là-bas. Ok. Du coup... on va essayer d'aller à gauche. Faudrait que je trouve une supérette. Là, c'est quoi là-dedans? Je sais pas, c'est quoi là-bas? Putain, ce serait cool si je trouvais une supérette, là, franchement. Oh, d'accord, c'est carrément un pont à passer. Oh, merci. Bah, de rien, mon vieux. De rien, de rien. Cool, il y a une supérette, là. On va pouvoir s'arrêter ici. Ah, c'est même pas une supérette. C'est un garage Laika. Donc, le garage Laika, on va pas s'y arrêter. Moi, c'est une supérette que je cherche. Un truc qui vendrait des repair kits, quoi. Non, parce que là... ça va pas être possible. Le motel, ouais. Ouais, cool, le motel. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter au motel. On va s'arrêter bien gentiment au motel. Ça, on éteint. Ça. Voilà, oublie pas le porte-monnaie. Et on est parti. Allez, viens, Pépé, on va dormir un peu, là. Non? Tu restes dans la bagnole, toi? Oh, bah, il dort dans la bagnole. Il a l'habitude. Il l'aime bien, ça, Cinca 1000. Bonsoir, bonsoir. Je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Tiens. Allez, vas-y, fais péter. Et elle me dit, vous êtes seul aujourd'hui, qu'elle me dit? Bah, je dis oui. Et Pépé, il est parti dormir dans la bagnole, mon vieux. Tiens, attrape donc le porte-monnaie. Voilà. Donc, nous, on va aller dormir dans la chambre de B. Bah, pendant que Pépé, il dort dans sa Cinca 1000, hein. Voilà, hein, il a l'air de bien l'aimer. Écoutez, tranquillement, hein. Impeccable. Bonsoir. Hop, on va fermer ça. Et on va aller dormir. CSFR Hungary. Donc Hungary, du coup, c'est la Hongrie. Hein. C'est à chaque fois les CSFR, c'est les frontières en fait. Bonsoir, bonsoir. Merci, merci. Là, impeccable.
Ok Pépé, t'as bien dormi? Il me dit oui, ça va. Il me dit j'ai bien dormi, qu'il me dit. Il me dit c'était bien, qu'il me dit. Eh ben impeccable. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode sur Jalopy. En tout cas, là, cette fois-ci, on a bien avancé. Hein. Je vais sauvegarder, en espérant que ma sauvegarde ne plante pas cette fois. Normalement, ça devra aller, étant donné qu'ils ont corrigé les problèmes de sauvegarde. Dites-moi dans les commentaires si cet épisode vous a plu et si vous voulez en voir d'autres. En attendant, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec Pépé. Et moi, je vous dis, ciao tout le monde, bye!